Je m'apprêtais à prendre la douche quand soudain je me retourne, je regarde le poster et je vois une entité en fait. Et j'ai cru que c'était un reflet. Donc j'ai filmé, j'ai fait une TCI. Puis après je reprends d'autres photos pour voir s'il apparaît encore. Et il était toujours là. Donc j'ai purifié les lieux. Et après il est parti. Je le dis souvent, les entités ont besoin de support pour se matérialiser. Voilà. Je n'avais pas compris quand l'entité dit on t'aime pour l'oiseau. Je pensais que c'était par rapport à mon tatouage où j'ai un oiseau en fait. Et non. Il me prédisait en fait le lendemain que j'allais sauver un pigeon. En bas du jardin, il y avait un chat qui a sauté sur un pigeon qui était, qui a essayé de le manger. Donc de suite, grâce à mes autres chats qui regardaient en bas, je l'ai sauvé en fait. Voilà. Ouais, ben je te vois super bien. Hallucinant comme il est moche. Hallucinant comme il est moche. Comme je l'ai déjà dit, j'adore l'Égypte et je suis très attirée par l'Égypte. Bon, je ne connais pas ce lieu, j'y suis jamais allée. Mais en ce moment, j'ai des divinités à la maison. Donc là, il y a Ra, la dernière TCI que j'ai faite, non, l'avant-dernière, Isis. J'ai eu par contre, comment il s'appelle? Anubis, alors là, qui m'a apparu sur l'une de mes photos. Voilà, et la dernière TCI que j'ai faite, c'était Toutankhamon. Donc je ne sais pas pourquoi l'entité dit Ra. Est-ce vraiment le dieu? Ra. Je ne sais pas. Je doute un peu, mais bon, on verra bien. Ah, et t'as un message? Ah, et t'as un message? T'appelles comment? Je t'appelle comment? D'où tu viens? D'où tu viens? Putain! Putain! Thank you.